étranger, errant dans ce monde de terre, sur la route vers la cité. Lorsque les saints entreront par les saints, entreront ce jour-là. Lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, peut-être des nombreux. Lorsque les saints entreront par les saints, entreront ce jour-là. Lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, peut-être des nombreux. Lorsque les saints entreront, Jésus, verrai mon sauveur. Si ma vie est libérée, laissez-moi ira tes portes. Lorsque les saints entreront, car les saints, entreront ce jour-là. Lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, peut-être des nombreux. Lorsque les saints entreront, assemblés autour du trône, et les portes sont fermées, j'écrirai gloire et gloire. Lorsque les saints entreront, car les saints, entreront ce jour-là. Lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, peut-être des nombreux. Lorsque les saints entreront, j'attendrai des chariots descendre, et je monterai à bord. S'il est dit, j'irai au ciel. Lorsque les saints entreront, car les saints, entreront ce jour-là. Lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, peut-être des nombreux. Lorsque les saints entreront, car les saints, entreront ce jour-là. Lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, peut-être des nombreux. Lorsque les saints entreront. Maintenant, debout pour lire dans les livres de Dieu, psaume 114. Telema peto tanga na buku na Zambe na Nzembo 114 verset 1 à 3. Banda na verset ya liboso tina oya misato. Quand Israël sortit d'Égypte, tangwana Israël bango ba bimi na Égypte. Quand la maison de Job s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer les vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Prions Dieu.
Éternel Dieu d'amour, nous sommes encore devant ta face. Nous te remercions pour nous avoir gardés tout au long de cette semaine. Tu as été avec nous, tu nous as protégés, et ce n'est pas puisque nous sommes bons, mais c'est puisque tu es miséricordieux. Nous te sommes reconnaissants, nous te remercions au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Ici, débite avec nous et termine avec nous. Que ton Saint-Esprit puisse œuvrer au milieu de nous, puisque tu l'avais promis et tu avais dit que vous ne serez pas des orphelins, je vais vous envoyer un consolateur. Nous avons besoin de ce consolateur à ce moment. Oh Dieu, exauce notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gai pena pesi binombote na kombo na kolo na biso Kristo. Amen. Nezali kitoko koza na presence na za. Amen. Tangi nite ya moko kitoko. Wana na mukanda na nzembo epa ende kwa tangeli biso na nzembo chapitre 114 na verset 1 à 3. Wezali ko solola na tina na Israël. Bien l'exhibition était Israël. Azali libota na nzam. Amen. Kinkolo azaka na babota mi balé na se oyo. Kozali Naba bengi lingomba. Le peuple de Dieu kati na mabota. Panye kumama kete Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir un peuple qui porta son nom. Amen. Zambe boka ki misu na mabota pona koluka libota moko e kumema kombo na ye. Mais avant libota oyoyo emoni sama na biso to ayiba tuna yauli bapagano ibelobete nzambe asalaki alliance na ye na bana Israel. Ye alingaki koko na bango Abraham na nzela Abraham apesaki ye ba promesse où ils allaient qui ériger Nandenge et Amoubeko, le commandement, Zambende a fait ça qui libote Wana. Puis ils allaient qui Zambé na Bango. Amen. Ils allaient qui Zambé na Israël. Na Mukanda Deutéronome chapitre 4, ce qui te contient na verset 32 à 33, Mukanda Deutéronome chapitre 4, Kolo Azako Solola na Tina na libota Wana, na verset 32. Biblia lobi. Bino botuna batango na kala batango eleki kotalelaka mokolo oyo na nzambe asikelaki mokili kouta na ngambo mosusu tina mosusu eske ezali na evenement monene oyo bato bayokaka ezali semblable na oyo kokanisaka ete libota nini eyokaki mongongo na nzambe kouta kuna na kati na moto lokola bino boyokaki yango wana nzamba kosola na bana Israel pe bango ba zala na bomoi eske zalaki na nzambe moko ayazwa libota moko kouta na mabota msusu achala kisalo boko nena nguya na nzela na bilembo na nzela na miracle na kubundela ka bango liboko na nguya na nzambe zalaki kosala makamu minene denge Yahweh nzambe na bino asalaki wuta kobimisa bino na Israel na Egypto bino bozalaki témoin na makambo oyo nyonso atine te buku akososolete liboso na nzambe oyo nzambe mususu azate. Amen. 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 Liboto ezalaki libota na nzambe bango ne nzambe atambola ina bango abete na lakisaki na mabota mususu ete bozali na nzambe kati na bino nzambe ya kili Lola pe akelise. Tali laka libota oyoyo Nzambe pe ayeko pona biso twalaki musika na ye bapagano. Abwaki le regard kuna na Golgotha pona kobenga sikoyo biso ezali susu na nzela ya libota moko te to nation moko te ba choisir mais azali kobenga biso individuellement. Amen. Moko na moko pe tozali kokokisa oyo ezali libota na nzambe. Amen. Amen. To assemblé na nzambe. Na tina na yango, oyo vraiment babengi mutu na nzambe. Oyo yambeli nzambe. Azali kotala lisusu libanda na nzoto te.
yakotale la nani oyo ye abengi ye nani nde Yesu Kristo. Amen. Amen. Azali kotale la obe Yesu Kristo. Muto oyo ayebi évangile na Nzambe. Ye asia sosolete ye azalaki muto oyo azalaki kondane. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tokoki kozalate tous à la bateau bazali na orgueil non. Cela qui bateau bazala qui condamné sans Dieu dans le monde et condamné biso ya na biso ezala qui effectif parce que la Bible dit tant que yo botami ozali na lisumu ya bakoko na yo. Amen. Sans effort quand ndeko botami na nzoto tous ont été condamnés, c'est-à-dire légalement même na nzela ya mubeko muto akokaki kokokisa mubeko azala qui te. Il n'y avait que Jésus-Christ seul qui est venu accomplir la loi. Ye kaka nde mutakokisa ki mubeko. Mibeko nyonso pe wana batna mukili batala ki babete nous nous voyons point de fraude dans lui. Amen. Kati na ye loko moko ya mabe ezati. C'est-à-dire que tous faut to reconnaître que tous ala ki condamné. To botami to laiba to bazala ki séparé na Nzambe. Sans espoir dans le monde. Mais Nzambe azali ngolo. Kuna na Golgotha, Nzambe atala ki mukili. Paya ki kati na Kristo komeka ko réconcilier biso na ye. Amen. Amen. Na ila Patmos Jean atala ka mona ki mutu moko akokakite. Personne n'a été digne. Fali kaka ye moko ya. Donc avant ko sosola ko comprendre réconciliation yo. Yo faut comprendre que ozala ki rien. Amen. Condamné. C'est pourquoi mutu azali condamné ko ko condamné pe ba misusu te. C'est une grâce. Amen. Amen. Yo ozala ki na prison. Bayende ko bimisa yo ko bimisa. C'est pourquoi Yesu Kristo tanga bandaki musala na ye atangaki na mukanda ya Luc, na Luc chapitre 4, na verset 16 à 19. Alobete je suis venu proclamer la délivrance. Na ba oba kangami. Na Luc chapitre 4, na verset 16. Wana ye akenda ina mboka na Nazareth et pa inini ye ba kolaki et wana kutala ka mubeko na bango akotaki na kati na temple na synagogue mkolo na saba. Ye atelemaki pona kotanga. Peba pesa kiye buku na mukana na profete Zayi. Wana ye afungola kiango, amona ke sika ekumamete, molimo na mkolo ezalili kolo na ngai. Amen. Ponete ye apakolinga pona nasolola na ikambu oyo ya malamu pona babola. Atindi ngai pona biki saba oyo bazali na mitema mibuki sami. Pe ko tatola na bao bakangamete bakomi, bakomi libre. Amen. Proclamer la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. C'est-à-dire, biso oyo tozalaki ba oyo ba kangamaki des prisonniers. Tout le monde a yango te diable a sera ki makasi. Par exemple, c'est belé. Babi oyo koyi kozwa mbongo ya tchè déjà libulu kuna alongoli ebimi. Oula na mbetu mbetu a sere yango pano kwa kozala a l'aise te. C'est-à-dire, un prisonnier a batye na ba condition ekokite. Amen. Amen. Mais kati na Yesu Kristo, il fallait seulement Yesu Kristo aya pour na quitter biso, a déclaré biso libre. C'est pourquoi une année de grâce. Tilelo, azali ko déclarer toujours habite boya et pas inangaye. Amen. Bino obozali chargé et je vous donnerai du repos. Kolonda azali ko pesa kimia, azali ko pesa repos na ye kati na Yesu Kristo. Mungongo azali ko kende bisika nyoso, revenez à Jésus Christ. Amen. Oh conversion ya malamu et bonnet te tang yo poussané pa na Nzambe il faut reconnaître le bit enkolo c'est vrai nazala ki mutumabe kolo ngai na kukaki tie kasi yo ndozwe sikana ngai. Amen. Te foko la ki sa ye et toi tu es nil ezane na ngolu na yo de na ye pa na yo ça la voilà une très bonne conversion mutazali ko reconnaître et azali rien sans Jésus-Christ. Yende azali kondima na biso. Yende azali louange na biso. Amen. Nous allons kopese merci na musala oya sali biso na Golgotha. Amen. Nous avons été délivrés. Biso bakangami ba prisonnier. Bato bazalaki nil pas. C'est ça le premier don pas pour la koyebete nous avons un rédempteur. Mosi kolina biso moko azali. Amen. 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 La Bible dit tangu bao batikalaki na Matthieu 17 sima komona vizu ba monake ba mona eli ba mona boy na boy bazalaki wana Moïse azalaki à la fin ils ont vu Jésus seul. Amen. Amen. Mais Pierre alobaki te totonga ba tantawa moko po na eli moko po na Moïse moko pe po na yonkolo mais mungongo ye kolobete celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le. Amen. Kati na ye nde na tchenyos ngolunyos botale la ye
On a vu Jésus-Christ seul. Tout le monde qui a été, personne n'est mort pour nous. Personne. Sans Jésus-Christ, vous n'avez rien. Amen. C'est lui notre rédempteur. Il y a des gens qui ont réconcilié son ensemble. Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Amen. Amen. Et à Salibiso Banabasi, dans Zambé, Banamibali, dans Zambé. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er, oui, Kotanga Yango. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Botala, Bolingonini, Oyo, Tatala, Kisibiso. Ponete to bengama, lelo bana nan Zambé. Alléluia. Amen. Ponete to bengama, bana nan Zambé. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. La Bible est totalement réellement fait aux alliés. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Puis ceux qui m'ont créé, ils ont sauté. Ils ont fait Nzambe. Oh, Nzambe, Awei Baba, oh, Nzambe. Amen. 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 Et continue. Balingami. Tozali sa saye pi bana Nzambe. Kasi oyo tokozala nanu emoni samite. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Mukili mobimbo ezali kozela komoni sama ya bana na Nzambe. La manifestation de fils de Dieu. Ba oyo yo bandimi musala wa Nzambe sala ebongo na ikulusu. Ba oyo bandimi te bazali a kite. Puis bazali ko sala te bakuka koyoka ikoko soso lisabaninga mususu ete. Bokuka koya epai na ye. Amen. Amen. Il n'y a que lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans Jean chapitre 1er, verset 29, wana Jean atatola kango bité, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Tala, mwana nampate, oyo azali kolongola masumu na muki. Jean chapitre 1er, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Voilà mukole ya ki amoni Yesu Kristo koya ko epai na ye. Pe ala kisi alobi. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Tala mwana nampate, oyo azali, kolongola masumu na bato. Yazala ki mutu. Mais c'était un homme qui est venu kokokanana. Oyo, ezala ki ekelamu. Il est venu s'unir à l'humanité. Amen. Amen. Ya koma ki mutu. Avant d'aller par bien katikati na biso. Parce que Yesu Kristo, azala ki kolia, loko na biso tuza kolia. Azali peko yoka pongi, azali peko lala. Amen. Amen. Azali peko lemba. C'est-à-dire, il était un homme. Kati na zoto na yo ya mutupe, il fallait pas kufa. Amen. Amen. Il devrait mourir. Il avait un corps mortel. Si pour na yango ke Yesu Kristo fallait akufa. Il devrait mourir. La Bible dit qu'il est mort quant à la chair. Voilà. Amen. Amen. La tinete, na kati na molimo, akwa komea biso na o ezali ya kufa te. Qui nous amène dans l'immortalité. Amen. 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 Pour être un autre, on a yo yo. Et quoi qu'on a la démérité dans la corruption pour toujours. Non. Amen. Il fallait ya ya asa la tour et biso tout quoi qu'on a sale. Et tant qu'il y a qu'on fait qu'il y a maintenant, à tant qu'il y a mon limo, tant qu'à l'esprit, azala kinsam. Amen. Parce que Dieu était en lui. Tant qu'on va baptiser qui est. Il bébé te molimo qui t'a katinaye comme une colombe. C'était le baptême du Saint-Esprit. Christ était en lui. Dieu était en lui, en Christ, na kati katinaye. Azalagi moutou nan zot, mais katinaye zalagi na molimo. Pour être molimo, on est quoi qu'on revendique nzot naye. Amen. Alléluia. Amen. Et revendiquer nzot n'étant qu'on koufa. Et l'écriture dit, je ne permettais point que mon sein voie la corruption. Na kondimate ke, mouboula minanga ya kwa komona oyo. Yambeba, alléluia. Amen. Oyo kopola. C'est pourquoi na mukanda Romains chapitre 8 na verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Ce qui molimo na Nzambe ezali kati na yo. C'est-à-dire yo po komi un sanctuaire ya Nzambe. Ivan de lion ensemble. Molimo na Nzambe ezali kati na yo. Molimo na ko revendiquer. Alléluia. Amen. Nzoto mabele oyo oyo. Soki kufi e ko senga yango ebima. Amen. Et c'est quoi? Amen. Amen. Moni pona ni to kubo foto za la bana na Nzambe bete pour le moment nous sommes les enfants de Dieu. Croyez cela. Amen. Dieu nous a donné la parole. Oui. Tant yo yebite lo biku na yuti kati kati na Yesu Kristo. Zamba bena ko pesa oli loba. Pema na ye. Bebite tang mutu asalama ki lokola mabele. Il fallait que Nzambe a soufflé Nicolas Mabelewan. Amen. Ah. Pour que tu prennes vie,
celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ensuite, il y a l'enseignement. Amen. Bola kisabango, enseignez-les. L'ilakisiwana, c'est une vie. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le Seigneur souffle sur nous. Au moins, de temps, c'est quoi qui a soufflé qui peut le souffle. N'abaye koli. Bouza moli mou moussanto. Amen. Mais ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Pour qu'il puisse avoir la vie, babota mamenana sika. Et qu'il puisse naître de nouveau. Amen. Moi, la nyo soka bota mina sika. C'est une vie qui naît. Amen. Amen. Et il faut souffler mon kweko takatikati naï. Nous m'avons bêta la même bata. Mouni mouana bandiko lè. Amen. Sinon, c'était mort né soka l'élite. Et cet esprit-là doit habiter en nous. Toko mouna yango. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est qu'au revendiquer. Zoto ebima na mabele. Amen. Et qu'au revendiquer transmutation en abisso. Tant que Jésus-Christ a pour faire tout est accompli. C'est-à-dire, nous avons ceci qu'on a mis. Et nous avons ceci qu'on a mis. Tant que nous avons ceci. Amen. 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 Tant que tu as dit 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 que tu as Amen. Et vous savez, maintenant que vous avez bébé, mais tant que vous êtes là, tout est en toi. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur a déjà tout fait. Et là, on a là, on a tant qu'on a un go. Amen. Amen. C'est pourquoi ils ont moni batoyo, les loyaux moutou à koufi, basui moutou batoumbi. Ou ils allaient agir vis-à-vis même dans ça. Amen. Amen. Puis sur le sang de tout ça, à pratique, on a été. Bon, mon a un go, de bambou comme ça, le roi, bah, indien, banane. C'est pourquoi bazwaka mutuba tumbi poussière wana babwaka on a 4 vents et kende. Mais la Bible dit nous sommes créés poussière. Amen. Amen. Nous retournerons où à la poussière. Genèse chapitre 2, na verset 7. Wana tozo sala moi entre parenthèses. Pour après mituna monsieur tuna makipona ni bato batumba kabanzoto na bango. La Bible dit l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. Zamba zwa ki mabele wana se oyo. Asali mutu. Pe adwi pema. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Atye mpepe na yekati na mutu. Pe mutakomi oyo azali maintenant na bomoi. Un être vivant. Et il continue. Tangu yo koko mona tuna na suka. Tangu mutasali mabe. Nkola lobete tiye shet. Tiye poussière ti retournera à la poussière. Amen. Amen. C'est dit. Soke mutazo a koufi. Il faut kokundeye na mabele. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, 44, la Bible dit, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Amen. Amen. A konami, c'est-à-dire, bah, konye, kolo na mzoto o na bunyama, me ya bimi mzoto na molimo. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Ce qui kolo mzoto oyo ya bunyama ezali, yebete mzoto pe ya molimo pe ezali. A bazo parle na o etali kokundama. Amen. Amen. C'est-à-dire, yo muto yo zali mo... chrétien, croyant, là il est dans le monde. Il est après le coup de Nangaï, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Amen. Je dis que moi, entre parenthèses, parce qu'ils ont des problèmes. Mais tu es en train de se faire. Ils ont des problèmes. Ils ont malades. Amen. Les malades ont des katikati na biso. Bwebe te so mouta zali na problème, zali na pasi. Moral na ye, ezala kamala mouti. Amen. Amen. Azo kobunda doublement na maladie ya azali na yango alukana liko bimana condition wana. C'est pourquoi sengete biso oyo. Amen. Amen. Tozali makasi, c'est-à-dire les anciens. Soko zina mukanda Jacques. O pratique oyo nde esengi tukoka kwa appliquer na mukanda Jacques. Bongi na biso tozali ba disciples. Un disciple faya la kanabik na kaina ye. Amen. Amen. Na Bible na ye, ata mwa papier na ye pa ozali kokoma. Na mukanda ya Jacques chapitre 5, na verset 14. Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Ezali na muto yo kati na bino azali malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Amen. Abenga bandeko ba wumeli kati kati na lingomba, et que les anciens prient pour lui. Pe bampaka oyo, ba bonde latina na ye. En lui, wanya d'huile au nom du Seigneur. Amen. Pe bakoka, ko pakola yi mafuta, na kombo na kolo. Parce que muto yo azali ko bunda doublement. Il a besoin aussi de secours. Amen. Et la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Kondima oyo ya bampaka wana. Amen. Et kobiki sa maladie wana. Et le Seigneur le relèvera. Penkolo akotele misaye. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Penso ki asala ki mabe kolimbisa. Zamba kolimbisaye. Nanzela musala bampaka. Ba frère bazali considéré comme des anciens. Quand il y a un problème, il faut...
kusali sande kwa zali na katikati na maana pasi. Uyebi na mukanda ya Mark chapitre 2 na verset 1 à 5. Quelques jours, wana mikolo mwa muke, Jésus revient à Capernaum. Yesu ayaki na mboka huyo na Capernaum. Pe batu basoso la kete, yaza laki na ndaku moko. Amen. Basoso lete, Yesu aza na ndaku wana. Batu bayaki ebele, zinga zinga ipa yaza laki. De na telle façon que espace kutu za laki muke pour na contenir batu wana. Pe yaza laki otete ya bango sango malamu. Maintenant au verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Amen. Amen. C'est-à-dire, de quoi ils allaient à Zotamboulate? Quand c'est famille naïe. Amen. Amen. Parce que c'est le mobigi sazalikuna. Babete ndeko yo, pour na bisobe tozana souci naïe. Bah, la zalinini, bah, memie quatre personnes. Amen. Amen. Tala kondima ndengwana. C'est-à-dire, mutazali kobela, azalina pasi, mais fallait te basali saïe. Amen. Amen. Au verset 4, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, wana batala ki te moya kokoka kokuta na nkolo ezati bat baleki ebele. Il découvrit le toit de la maison où il était, il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Amen. Amen. Imaginez ndaku na yo, batu balobi solution mzu ezati, soto lobi to kota moyen te mutna muta. Babi kuna na likolo kuna ba ndaku wana bas bakena ba na baton. Ba longoli baton. Pona kaka ndeko na bango abika. Basaki na souci ya ndeko. Etango bafungoli baton wana bakitisi paralytique na bango. Mais Jésus a condamné bango te. Amen. Amen. Abi mais non. Non na moni kondima ndengo te. Jésus voyait leur foi dit au paralytique. Wana Yesu atalaki ni kondima ya ba oyo. Ba memaki mutu na bango malade. Amen. Amen. Pe ayebisi paralytique oyo. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Pe wana ba scribe nda bazalaki o mutu nini azali kolimbisa masumu. Yesu kwa continue lisusu. Jésus étant aussitôt connu par son esprit qu'il pensait au-dedans de l'air de l'air dit pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Amen. Amen. Pour ni bozo yima yima. Mais pour na boyebete moyen na mutaza na pouvoir ya ko limbisa masumu yo paralytique ale simba mbetu na yo telema kende. Amen. Amen. Kondi maya batu mususu nde salaki yao. Amen. Tiko kende ko longola batole ya batu. Ko ba ibakete soki to kitisi yango. Voilà. E mutu na biso ya kutani na mobikisi solution e moni zami. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Sadi na ko na na mbamba kaya malade, il faut to sunga ka bande ko na biso. Amen. Amen. To kan sapende ko na biso Benjamin pa ya zalin zamba pambula ye. Amen. Ako ako sunga ye. Amen. Pe tuza ko remercier nkolo a tout moment ko lbe te asha sala ki pona ye. Amen. Amen. Me to ko zonga katika talite ya na biso na mukanda ya Psaume 114 verset 1 à 5. Wana libota na nkolo e bimina Israel. C'est-à-dire bana Israel. Ba bimia tank l'assemblée. Webe te kombo assemblée monisa makitangu bazalaki d'abord na Egypte tant ko bimana bango Zambe ya salaki na pesa ki sacrifice. Amen. E singa gete mwana bat bo mabanda mpate makila e chama pinkolo tangu bimia bengi bango assemblée na ye libota na ye. Amen. Ah. O bazalaki na se ya makila. Bouti na se ya makila sous la protection divine. Ah balobi quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Siko libota oyo bazalaki kati na Egypte, il fallait ba bima. Ba se séparer, ba bengi un peuple barbare, ba to bazaki na nzambe te. Oui. Qui se conduisait selon eux. Amen. Amen. Ba iba ki nzambe te. Nzambe azalaki nzambe na Abraham. Abraham nazaki ba promesse. Zambe alobete na kopesa yo. Isaac, Isaac apesi Jacob, Jacob apesi bana les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Il était leur Dieu. Mais les autres, ba bengi bango un peuple barbare. Bible lobete parmi les 12, Isaaki 12 tribus. Bazaki bana 12. Judas pas alaki na kati. Amen. Amen. Mais la Bible dit Judas devint son sanctuaire. Alléluia. C'est-à-dire ko uta na libota mubimba. Mais pas hier, Zalaki Kopema. Amen. C'est pas bien que sanctuaire, c'est-à-dire Ndakunaye, Zalaki na Katia tribu la Juda. Amen. Mais Zalaki est belé. Le Seigneur a choisi un peuple où il devrait demeurer. Israël, mon Bezaki domaine naye. Lingombe Zali Mounen.
On parle de l'église. La catégorie de l'église universelle, c'est déjà Mukili Mobimba. Mais quand il y a Mukili Mobimba, Dieu a un endroit. Amen. Amen. Il n'y a pas et pas il y a un bandit. Il continue à monter à la kiwapi. Quand il y a Liboto, il y a Juda. Mais il y a longue à la kiwapi. Amen. 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 Balobiete, la mère Lévi et s'enfuit. Tant que vous avez dit que vous avez la mer rouge est en train de se et qui est en train de se faire. Et qui est en train de se faire? Et qui est en train de parce qu'au milieu d'eux, il y avait un Dieu puissant. Oyo, maïe yokak. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que bar, avez apôtre que vous avez dit 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 que vous amen. Dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez vanda kimia. Amen. Avez dit que vanda kimia. Loa obéit à son créateur. Amen. Amen. Vous avez dit que directement. Bango mo batato be o yesu mutu andenge nya azala ki mutu oyo mai ezaliko yoka ye mupepe zaliko yoka ye a ce moment là quand il dormait c'était un homme quand il parlait là il donnait le commandement c'était Dieu. Amen. Et la Bible dit quand ils sont sortis des peuples barbares mai e monaki il a vu qui Dieu qui était où na kati na bana Israël mais na kati na bana Israël zamba poni sur libota et pas une entier et vande lunaye c'était où dans Juda. Il continue. La Bible dit les journées retournaient en arrière. Alléluia. Amen. Donc, comment il y a une journée? La Bible dit que les journées sont en haut et ils ont des ciments. Ils ont des ciments pour les libéraux. Parce qu'au milieu d'eux, je suis le Dieu unique, amen. Créateur du ciel et de la terre qui est au milieu de vous. Votre Dieu. Quand il y a un Dieu, il y avait un Dieu unique, un Dieu puissant. Amen. 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 Mobimba, l'assemblée. Habite assemblée on est qui domaine na ye mais quand il na yango Zambé a choisi quelque chose libota moko et pas il fallait y avant. Amen. Amen. Na Genèse chapitre 49 la verset 8 on est là qui prophétie au bapesa qui na tina na Juda. Genèse 49 la verset 8 Bible le dit Juda tu recevras les hommages des frères. Habite Juda yo bande kona yo bakopesa yo lokumu. Amen. Wana ba prophétie tamba opesa bana mwana na mwana. Ta main sera sur la nique de tes ennemis. Les îles de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens des carnages, mon fils. Il pleure les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Au verset 10, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Alléluia. Bukonzi! Toute autorité, et kolongwa na mboka na Juda ti, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Ti wana Shiloh akoya, c'est qui Jésus-Christ. Amen. Oh, ya kozala mukonzi likolo na bakonzi. Oya kozala temple mubimbe pa nini nzamba akovanda. Amen. Wana nzamba za ekotambola na bango, sanctuaire na ye fallait que vanda katikati na liboto na Juda. Et il continue, et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne. Et au milieu des sept, les petits de son ânesse. Amen. Ah. Ope, écriture, kokamaki, kokosamaki, katina Yesu Christ. Dans Matthieu 21, verset 2. Et pas nina kangola qui peut punda, koti lokola mukonzi. Wana Yesu Christ ayaki. Amen. Matthieu 21, verset 2. Voilà ce qui est écrit. En leur disant, allez au village qui est, qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les, amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. C'était cette ânesse-là qui devrait être détachée. Déjà, le Shiloh viendra. Et quand il viendra, il va être détaché. Amen. Et il va être détaché. Amen. Tant que vous allez au Ganga, au Zana, vous allez dire, hé, hé, batiki, ma banga est au Ganga. Amen. Parce que je suis le créateur. Wana, maye monaki. Et mon nini, katikati na bango, kono ya kela yangwa izali. La mère le vit et la mère s'enfuit. C'était la présence de Dieu. Nakati a domaine na ye, bana Israël. Mais Nakati wana, il a choisi encore un peuple qui doit porter son nom. Amen. Amen. Oui, bien, abiso tu es déjà. Nisakule moni samaki. Lingombe ezali munene ya l'église. Mais parmi l'église, il y a un appel à sortir. Amen. Où le Seigneur doit avoir une épouse ou parole. Amen. Qui doit être son sanctuaire et pas une yakoufande.
Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Quel rapport? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Koko kanani ezali entre Christ et na Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Toko yo kanini ezali entre bato ba yebi nzambe te na bato ba yebi nzambe? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Pour être biso tous ali temple nzambe, le sanctuaire de Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ngai na ko vanda pe na ko tambula katikati na bango. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Ngai na ko zala nzambe na bango pe bino o bazolo batina na épouse parole. Vous serez mon peuple. Amen. Libota na ngai. C'est-à-dire katikati na mangomba ya ya ngomba, Dieu va sortir. Il y a un appel à sortir maintenant. Il dit sortez du milieu d'elle. Alléluia. Bobi ma katikati na bango et séparez-vous dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. C'est pourquoi nous ne touchons plus à ce qui est impur. Amen. La parole que nous prêchons, c'est une parole qui doit venir du ciel. Amen. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà. Ne touchez plus à ce qui est impur. Dieu veut faire la différence maintenant. Tambou toko tamboula, les gens n'auront pas peur de nous, mais ils auront peur de Dieu qui est en nous. Amen. C'est pourquoi si l'Esprit, notre moyen à Romains 8, l'Esprit doit habiter en nous. L'Esprit qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu prépare un peuple. Sortez, ne touchez pas à ce qui est impur pour que vous soyez préparés afin que l'Esprit vienne habiter en nous. Amen. Amen. Dans Apocalypse chapitre 3, dans chapitre 2, là la Bible dit, ceux qui ont les oreilles, écoutent seulement ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Amen. C'est-à-dire pour le moment, dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a un message qui est proclamé à l'église, à l'épouse parole. L'Esprit parle maintenant. Nous sommes dans une étape de préparation. Alléluia. Amen. Dieu nous prépare pour un événement bien déterminé. Et nous devrons écouter que ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, on nous donne encore instruction Mokwana Kaka. Et j'entendis du ciel un trouvant qui disait, sortez d'elle. Alléluia. Koutana lola, mungongo mozali koloba, bima katikati na bango. Afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Alléluia. Amen. Nous devrons sortir. Et ceux qui ont bimi, Dieu doit nous préparer maintenant. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël sont sortis. Babimi est belé. Il y a beaucoup d'appelés. Alléluia. Mais paix de lui. Maintenant, le message qui est adressé à l'épouse du Seigneur, c'est un message destiné uniquement aux élus. Amen. 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 Et pour nous, dans psaume 68, déjà c'était prophétisé. On a vu comment Dieu allait entrer dans avec son cortège. Psaume 68, dans verset 25 à 27. Il voit ta marche, oh Dieu. Bazali komona encore ndeko yozali ko tambola. La marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on dit le cortège de notre Dieu entre dans le sanctuaire. Amen. Pas n'importe quoi, quel cortège, mais cortège des fêtes. Amen. Amen. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu des jeunes filles battant des tambourins. Amen. Amen. Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Maintenant, ça c'est une prophétie pour nous. Ici, l'Esprit a vu comment Dieu va entrer dans son cortège ou dans son sanctuaire. Et son sanctuaire, entièrement, est Zanin Lelo, Bissot, vous allez préparer par l'Esprit. Alléluia. Amen. Après avoir compris la rédemption, le Seigneur souffle sur nous pour que nous puissions naître de nouveau. La circoncision, on va le dire, circoncision, dans autres, ils à mon côté. Mais c'est la circoncision du cœur. Alléluia. Amen. Et dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Mwana malobe kumama kina mabanga. Maintenant, ça doit être écrit dans notre cœur. Amen. Amen. Pour que, à partir du cœur, la bouche va parler. Ce sera une langue qui va prononcer la parole. Amen. Et nous serons, moko moko nabiso, tokozala evangelion ensemble. Et c'est pour bientôt une courte action tozali kozela, mais puissante. Amen. Amen. Maintenant, tout le monde comprend maintenant, il commence à nous donner raison. Qui ont l'air demandé, attendez. Amen. Après avoir reçu la parole, le Seigneur leur a dit, attendez. Parce que celui qui croit, comme dit l'Écriture, dans Jean chapitre 7, au verset 37, Oyonani ayambi lokola likomi elobi, à ce moment-là, de molimu ekoya. Jean chapitre 7, dans verset 35.
les derniers jours, les grands jours de la fête. Mukolo munene ya kosangana ya esengo. Jésus s'était na debout. Wana Yesu atelema kiliboso pa gangi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Oh, nani azana nzala, aye pa inangai, et qu'il boive, fermez-la. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Ah, ici, il parle déjà de l'Esprit qui sera, qui viendra sur nous. Bah, oyo nini ba yambi, le kola likomi et lobi. C'est pourquoi ça ne sert à rien que vous ko tonga banda ko minene. Mais si vous voulez servir Dieu, commencez avec la parole. Amen. L'écriture. Tant que Jésus Christ, mon livre, comment il est na ye Bible bête, il a pris les quatre. Dans les quatre, ça l'a amené dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esaïe. Amen. Amen. Il n'est pas entré dans une sorte de brochure pour dire oh, tel Branamadi, Branamadi. Non. Il a dit tel qu'il est écrit. Amen. 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 Même la nouvelle naissance. Même où était le baptême du Saint-Esprit, c'est déjà dans la, écrit dans la Bible. C'est dans Joël 2, 28, là-bas qui était. J'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Amen. Babette, tu dois immédier de toutes tes forces, de toutes ceci, de toutes et de toutes tes pensées. Amen. Amen. Pensez au yo-yo, ce n'est pas dit que yo-yo, ma canisina yo, autant de si ma écriture, autant de si ma citation selon toi. Non, tu dois croire comme dit les écritures. Amen. Amen. Oui, nous avons dit que Jésus est Seigneur, Jésus est le Seigneur. Non, Jésus n'est pas Seigneur, Jésus est le Seigneur. Amen. 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 Jésus est le Seigneur. Ce qui est dit dans le canal, Luc chapitre 2, verset 1, c'est ça avoir la pensée du Seigneur. Amen. Aimer Dieu dans toutes ses pensées. Luc chapitre 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, wana mwanja lobina bango, ne craignez point, bobangate, car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour vous, pour tout le peuple, un sujet d'une grande gloire. Amen. Une bonne nouvelle, Oyekozala sujet, Mokoye Sengo. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Ezali lelo kati na mboka na David, il vous est né un sauveur. Alléluia. Mobikisi moko bota wa botami, qui est le Christ, ensuite qui? Le Seigneur. Amen. 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 Quand on dit le Seigneur, ça dit il est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ, ça sonne bien, mais Jésus-Christ est le Seigneur, c'est ça, voir la pensée du Seigneur. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien, au continue la main, point, point, point. Mais la pensée du Seigneur, c'est baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme et de toutes ses pensées. Amen. Avoir la pensée de Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous nous amenons toute pensée captive à Christ. Amen. 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 Il crie là, dans le Tozongi Bwana, dans Katia Jean, chapitre 7. Que celui qui a soif, n'a pas de l'anzal, posa un maï, aïe païnaga. Vous avez un liboulo avec la femme au puits, la femme samaritaine. Je suis un peu sanga imai, moi je vais dire que je soko yebaki. On ne peut pas dire que je suis un peu sanga imai. On ne peut pas dire que je suis de toute éternité. Amen. Il parlait du baptême du Saint-Esprit. La femme voyait l'eau naturelle. Mais le Seigneur a dit vous êtes en présence de vous, c'est celui qui donne la vie éternelle. Celui qui jaillit, le Saint, le donne le Saint-Esprit. Yango, wano moka kekite, Jean le vieté. Non. Jean-Baptiste, il n'y a pas baptisé, mais celui-là va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Amen. Amen. Vous devez avoir soif. Et le Seigneur a dit, errez ceux qui ont faim et soif. Amen. Dans la béatitude. Et c'est mon abo bazali nanzala. Pena posa. Mais pour nous, il ne faut pas créer nzala. Amen. Oui, mais tout le monde, il y a des Africains qui disent qu'il n'y a pas de Poutine. Il y a des gens qui ont été écoutés. Amen. Ils ont représenté le président africain. Il y a des gens qui. Et le Seigneur a dit j'enverrai un temps de famine. Il y a des gens qui ont été écoutés. Et il y a des gens qui ont été pour que les enfants qui ont été écoutés crient vers lui. Amen. Amen. Seigneur, nous avons fait. Voilà. Abi, venez, moi je vais donner. Moi j'ai créé la famine pour que oh yangai, bazala nanza. De comment abi frère, naza nanza la mutsu sa ebisi mien. Tiens en bonne santé. Parce que mutu mutsu yoka kanye nzala te. Si vous yoka nzala, ça nous donne la santé malade. Et ça vous pousse comme une biche soupire voilà. Près d'un courant d'eau. Où se trouve la parole? Amen. Amen. Où se trouve la parole? Je vais répéter, oh Yanzambe, écoute seulement ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Amen. Amen. Je vais répéter, le ministère de Jean-Baptiste, c'était conformément à l'Écriture. Tout aujourd'hui, Marc chapitre 1er, verset 1 à 3. La Bible dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ.
le Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Alléluia. Wana ndenge nini évangile ya nkolo na biso bandake koma makete na kotinda moombu mosali na ngai. Oya ko préparer nzela, ezo parler sur Jean-Baptiste. Et il est écrit c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Oyo ezali mongongo ezali koganga wapi na désert. Ésaïe chapitre 40 verset 3. Voici j'envoie devant toi mon messager. Ça c'est Malachie chapitre 3 au verset 1. Alléluia. C'était des écritures qui étaient dans l'Ancien Testament pour préparer le chemin du Seigneur à planifier ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert, prêchant le baptême de repentance pour la rémission du péché. Amen. Jean ya ki koko kanana likomi. Oye zale ki déjà dans l'Ancien Testament. Parce que nyoso zali kobika. Ezali déjà eko mama. Amen. Ezbikamwe sika ezalite. Tout doit être conformément à l'écriture. Nathan ou Nabisope, nous avons reçu Malachie 4, 5 à 6. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. On a ramené le cœur des enfants que nous sommes à la foi de notre Père. Ce Malachie-là, c'est l'Ancien Testament. Amen. C'était déjà écrit dans les prophètes. Amen. Ministère à William Branham. Et comment m'a-t-il déjà? Et le 11 juin 1933, à la rivière Ohio, Dieu lui a parlé. Amen. Zamba Ebissier. A Ebissier Nin. Du même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. Amen. Zambé a fait ça qui est. Tu es envoyé avec un message. Parce que le sujet principal de Zalikotatulawa, c'est d'abord le retour de Christ. Amen. Le Seigneur a fait la promesse que je viendrai. Mais avant retour, il a donné un message qui est dans la Bible pour nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. Amen. C'est-à-dire que ce message n'est pas une zali qu'on prépare biso, c'est déjà conforme à l'écriture. Et yebanaki déjà. Zayouze la gata mou nanzambe, tomo na moutou nanzambe, amonisam. Amen. Et Moussali nanzambaye, il a apporté la parole. Webite tout le long, il y a Bomoyi, Banda, 1906, il y avait l'expérience. Oui, Salamaki. En 1906, il y avait l'expérience où la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit était répandu. Amen. Les gens ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Nous avons appris ça en 1909 en Angleterre. Effusion du baptême du Saint-Esprit. Nous avons appris ça. En 1949, notre frère Franck a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Parce que nous avons baptisé dans le quartier. Non, Josué était d'abord rentré avec Caleb. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quelque chose. Et ils ont vu comment sera le baptême du Saint-Esprit, comment sera le placement, le pays et comment. Et aujourd'hui, ce sont des imitateurs. Les gens fabriquent le baptême du Saint-Esprit. Ils ont créé ma commande. Mais pour nous, le Seigneur a dit attendez. Comme on a vu dans le livre des psaumes, là, il viendra entrer dans son sanctuaire. Maintenant, ce sera un cortège de fêtes. Dieu lui-même viendra dans son épouse. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Amen. Je vais marcher. Les gens verront la différence. Amen. Comme ils avaient fui, la mère avait fui devant Bana Israël. Ce n'était pas Bana Israël. Il a fui le Dieu qui était au milieu d'eux. Amen. Oui. Et nous aussi, quand nous serons manifestés, là où nous revenons à 1 Jean 3, nous serons semblables à lui. Amen. Pourquoi le monde ne le connaît pas maintenant? Le baptême du Saint-Esprit, c'est une réalité. Et nous devons attendre qu'il y aura un cours, un mois matin, où le Seigneur fera de grandes choses. Et mais demeurons toujours dans la patience. Amen. Donc, maintenant, dans le dernier virage, où le Seigneur veut nous réjouir, le ciel et la terre seront ensemble. Les anges seront avec nous, parce que lui-même sera là. Mais pour le moment, c'est la conduite du Saint-Esprit. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu va vous conduire là où il y a la parole. Et pas une île de l'Obaïsali. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et comme moi, ici, quand vous soutenez, et comme moi, dans mon raisonnement, il y a ça va vous amener là où il y a la parole pure. Et cette parole aussi est déjà dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Le 11 juin 1958, frère Frank Bakoutani na frère Branham. Frère Branham m'a dit, mon frère, tu vas ramener ce message en Allemagne. Amen. Et le 2 avril 1962, le Seigneur a dit na hotel misayo pour que ce message aucune de ville en ville pour l'apporter. Mais c'est déjà dans l'Ancien Testament. Amen. Amos chapitre 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel,
où j'enverrai la famine dans les pays. Alléluia. Nakoti nzala namboka. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nzala batuba yoka iluba nzamba. Oya koyoka nzala, aza o nzamba. Pour qu'il puisse crier à lui, le Seigneur a le dit, tant que vous allez dans la soif, venez à moi, pour que je vous donne de l'eau pure, de l'eau vive. Oui, quoi, jaillir na motema na yo. Il faut ba créer nzala katikati na yo. Amen. Amen. C'est relié na Apocalypse chapitre 2, na chapitre 3. Ceux qui ont l'esprit écoutent ce que l'esprit dit à l'église. Amen. Matthieu 24, 45 à 47. Nous sommes liés na lik. Chapitre 4, le Seigneur est venu ouvrir une année de grâce. Amen. Chacun a sa place là-bas. Paul avait sa place dans la grâce. Je t'enverrai vers les nations pour proclamer ma parole. Moi, ça connaissait la place dans Malachi 4, 7. Toujours dans la grâce. Tout le monde est en route. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Seigneur, nous n'avons pas fait quelque chose. Tu es venu toi-même, tu nous as sauvés. Maintenant, il nous donne la parole. La parole, c'est un souffle. Pour ne pas naître de nouveau. Ce n'est ni la circoncision qui est quelque chose, ni la circoncision, mais la nouvelle naissance. Amen. Nous devrons naître de nouveau. Amen. Amen. Je crois que dans Ephésiens chapitre 1, verset 1, c'était ça la parole d'introduction. La Bible dit, « À lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Ah. Il y a une promesse du Saint-Esprit. Mais d'abord, écoutez la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. C'est ça, ainsi dit le Seigneur pour aujourd'hui. Amen. C'était promis dans la Bible. Un temps de soif. Amen. Amen. Venez, 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 venez. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a de l'eau à boire. Le Seigneur vous donnera. Mais croyez comme dit les Écritures. Donc, maintenant, nous sommes en train d'attendre la dernière action. Oui, vous savez que le Seigneur viendra lui-même dans son cortège, entrer dans son épouse parole. Amen. Et à ce moment-là, les mers vont, la mer aussi va fuir. Les montagnes vont fuir. Jourdain va se rentrer derrière. Amen. Quoi, il y a le sanctuaire de Dieu dans son église. Et l'église est où? Là où il y a l'épouse parole. Amen. Et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Matthieu chapitre 25. La Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent. Alléluia. Ceux qui ont dit prêtes, les gens qui se sont préparés, quand les autres viendront, ça sera déjà tard. Amen. La porte est fermée. Nous sommes déjà partis. Amen. À la rencontre dans le Seigneur, avec le Seigneur dans les airs. Dans les airs. Tout est déjà là. Bananazabe, qu'est-ce qu'ils font? Ils font seulement remercier le Seigneur. Amen. C'est tout. Remercier le Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit qu'il t'a donné. Remercier le Seigneur pour la transmutation de ton corps. Remercier le Seigneur pour l'enlèvement. Remercier le Seigneur pour la fête des noces. Pour la reine de Mila, pour sa vie éternelle à nous. Remercier, remercier, remercier. Parce que tout a été déjà accompli. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons croire comme dit les Écritures. Frère Branham disait toujours, il y a trois choses qu'il ne faut pas faire. Faut pas. D'abord, mal placer la parole. Pensez originel, n'ango, bozoye bati. Ah ouais, Branham a dit, mal positionner. Ah ben, il ne faut jamais mal placer la parole. La parole doit être interprétée dans l'originalité. Et puis, il ne faut pas co-imiter les lobas. La parole, c'est une expérience. Nous allons vivre nous-mêmes le baptême du Saint-Esprit comme au commencement. Amen. Amen. D'abord, les quatre qualités pétomoniangos que nous devons avoir. Deutéronome 6, verset 4 et 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. C'est-à-dire, aimer Dieu de ton cœur. Et surtout, au côté pena. Deutéronome 6, écoute Israël, Tobéna 4, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes mains. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
Tous encore une autre écriture, encore dans Marc chapitre 12, 29 à 30. Jésus répondit, voici les premiers, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Et de toute ta force. Mais ici, l'accent est sur la pensée. C'est-à-dire dans les quatre qualités divines que nous devons avoir, notre pensée doit revenir à l'enseignement selon les Écritures. Amen. Nous devons croire comme dit l'Écriture. Et pour croire comme dit l'Écriture, il faut être dans la pensée originelle de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 19, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Amen. Je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. La loi, la parole, la pensée du Seigneur doit être dans nos cœurs. Amen. C'est-à-dire croire comme dit les Écritures. Amen. L'accent est mis sur la pensée. Tokanisa, ndenge yazali kokanisa. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que nous croyons même pour le moment, sache que cet homme-là a un autre esprit. Amen. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Et Galates 1 dit qu'il soit anathème. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. La Bible me dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Voilà. Ceux qui sont malades, on a besoin de bomba maison pour n'avoir oué bazali kokufa. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, qui a dit la lumière soit et la lumière du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ que les apôtres et les prophètes ont prêché. Mais s'il n'est pas dans cet évangile, c'était notre esprit. Amen. 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 C'est dans l'évangile qu'on a dit à Abraham, ils seront tous, toutes les nations seront bénies en toi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais ta famille sera sauvée seulement si Dieu leur révèle l'évangile. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Mais ne forcez pas. Alléluia. Amen. De quoi lobby na mukumususu na gangelise mon église. Pwani alata ki pantalon. Mais na ki côté ndeko moko pwana meme na église, ndeko na pe aye na pantalon na église. Tu ba tout ba otala réaction na. Son na revina yeke mbala moko ndeko ba bo été komi na bingani na bomiyi. J'ai prêché, je n'ai même pas touché à ça. Mais là, c'est Allah qui me dit, mais n'angai pour nanini, ou reprêcher qui n'gai, dans la du pantalon. Bon, voilà. Voilà, et le Seigneur l'a reproché. Il dit, il ne faut pas être des extrémistes. Voilà. Le temps de Dieu viendra où les femmes là vont eux-mêmes enlever les pantalons. Frère Branham, toqué, kobeta, na église, voilà, et bon, katasugite, bazo katasugika. Mais il dit, le jour où j'ai commencé seulement à prier, j'ai vu les sœurs laisser leurs cheveux. Amen. Sans effort. Quand le Saint-Esprit est au milieu de nous, voilà. Dieu lui-même va prendre à même salanaye. Ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Amen. C'est l'esprit qui va agir. Amen. Il va entrer. Il a tous les remèdes possibles pour nous corriger moko na moko. Quand le Seigneur viendra, lui-même va faire que et si là. Amen. Amen. Tout ce qu'on nous demande, tous à la demeurer dans la parole. Mutabotami, on a soufflé sur lui. Il est devenu une âme vivante. Nous aussi, la nouvelle naissance est une réalité. Les gens doivent voir que nous sommes nés de nouveau. Amen. Et quand on est né de nouveau, vous devez aimer la parole, vous devez aimer la prière. Et vous aimez les cantiques spirituels. Le long de la psa, tu as un peu de cantique. C'est ce qui m'anime. Il chante dans le monde, moi je chante aussi. Et je passe tout le temps. Nous devons être dans la méditation de la parole. Tout ce que nous apprenons ici, méditer la parole et demeurer dans la prière. C'est ça la nouvelle naissance. Les gens vont voir que tu es né de nouveau. Amen. Amen. Et quand la chose viendra, le baptême du Saint-Esprit, Christ lui-même, les gens verront qu'ils ont un Dieu au milieu d'eux. Amen. Et ce n'est pas par la force, c'est lui-même qui va agir. Donc, toi interpréter l'ikambo, l'ilobandege, biso tolingite,
Oyena ba pila mikanda na yo, tu commences à interpréter selon toi. Rentrez dans ce qui était au commencement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.